I'm going to read a very short a piece, which is a sort of a feuilleton, I would say, rather than essay, and you will find it useful because you are all placed in hotel and you have to deal with minibars. So it's a little piece about minibar. At the reception desk, I filled in all the necessary details and got the key. Before I headed off to my room, the receptionist asked, "Would you like to open a hotel account?" "What's that?" "It means that you don't have to pay for everything you have or use in the hotel immediately. You just give your account number." I declined. What do I want with the hotel account? I'm only here for 3 days. Breakfast is included, and most of the time I will be out and about. The room was large, luxurious, and had the fresh new smell. The furniture was certainly brand new, the bathroom enormous, and the heavy windows opened gracefully with a touch of a button. I hadn't even gotten around to unpacking my things when I heard a knock at the door. "Can I help you?" I asked the young porter. "Sorry, but they have to lock the minibar." "Why?" "Because you didn't open a hotel account," he said before heading for the minibar, locking it and leaving. All of a sudden, I felt the blade of the invisible sword of injustice pressing on the back of my neck. I don't even use minibars. Alcohol doesn't agree with me. I don't like greasy, stale crisps. I hate any kind of peanuts. Candy bars of uncertain origin aren't my thing. Random bottled liquids inevitably give me a heartburn, and carbonated non-alcoholic drinks are just plain bad for your health. The bottom line is that the minibar doesn't have anything I'd ever want. So why did I feel so humiliated? Just because the bellboy locked the minibar? Did he put a padlock on the shower, the bathroom tap, the TV remote, the toilet seat? He didn't. Rationalizing it, comforting myself with thoughts of the palatial bed or a hot shower, nothing helped. I was inconsolable. It was just a hopeless sense of deprivation. They say that a German company called Seagas first manufactured the minibar. But apparently, we have got the visionary mind of the hotel executive, Robert Arnold, to thank for its ubiquity. As Wikipedia reliably informs us, Arnold was on a Thai Airways flight from Bangkok to Hong Kong in 1974 when he spotted miniature bottles of alcohol for the first time. Arnold ordered the supply of the bottles, and his employer, the local Hilton, took a gamble on the honesty of its guests. Honesty minibars are what they called them. A few months later, word spread in the hotel world that the minibars in the Hong Kong Hilton had increased turnover on alcoholic drinks by about 500%, and from then on, minibars were part of the furniture in every hotel in the world. All thanks to Robert Arnold and an epiphany inspired by a quick glance at a tiny bottle. It might seem, by the by, but similar miniature bottles were sold in the watering holes of my former homeland.
Their devotees lovingly called them kiddies. And this is actually the point. Love. Minibars are all about love. Let's think about it. What is, in actual fact, a minibar? A minibar is designed as a dollhouse for grown men. Men love their kiddies. A hip flask, the teenage dream of today's 70-year-old, was known as a buddy. Kiddie, buddy, minibar. They are all diminutives for a guilty something. Guilt in the diminutive is not guilt. It's the simulation of guilt. And therein lies the unique effect of the minibar. For a many lonely businessmen, the minibar is a symbolic substitute for home. Getting back to your room, opening the little fridge door, popping open a bottle of beer, flopping down into an armchair, and putting one's feet up on the table. It's a ritual deeply ingrained in the imaginary, even of those who don't come home, open the fridge, and take a beer. The minibar is also designed as a first aid kit. Even if you have never used it, the thought of your home first aid kit makes you feel safe and protected. That's why some minibars also have condoms, buddies, to protect you from kiddies. The minibar is also a kind of temple, a place where we come face to face with metaphysical. In a hotel room, you wake from a nightmare, surrounded by the indifferent darkness. There's no one to hug and comfort you. The minibar gives off a dull, transcendent light. Bottles and bags stand upright as if in a chapel. The minibar radiates serenity. In the terrifying darkness of the hotel room, this lit-up display acts like sedative. Everything is okay. I'm back in reality. The nightmare is over. This psychodramatic riddle, home, guilt, first aid, temple, is sold at the reception desk when you check out. The answer is the final and finale, like question that every receptionist asks every guest in every hotel in the world. Did you have anything from the minibar? At that moment, the guest senses the painful prick of metaphysical guilt. An honesty minibar. In some hotels, the maids audit the contents of the minibar every morning, restocking it as they go, making the questions superfluous. Nonetheless, all receptionists ask it, and they all ask it with the same snippy interrogative tone. The guest's rage begins to swell. Not only did you prepay for the room, not only did you pay for overpriced coffee in the hotel bar, not only did you pay for this, that, or the other thing, but you then have to put up with a lowly receptionist humiliating you with an honesty test. Nothing's free in life. No argument there. But why is the cost so high? The minibar is an expensive escapade, just like a psychoanalytical seance. The minibar perpetuates the same model. Hence,
the receptionist's authoritarian tone, hence the sniffing around your room and inspection of your minibar in your absence, hence your righteous rage at this mind-numbing display of power. In this psychoanalytical seance, the receptionist turns into an authoritarian mother or father, into your boss at work, the police, an institution of power with which there can be no negotiation. For God's sake, you could pinch the towels, the bathrobes, the table lamp, remove the hand basin and shower taps, and make off with the lot scot-free. But the thought doesn't help. They pin you to the wall over a piddly bottle of bad vermouth or a rancid bag of crisps. I don't know whether hotel staff read internet forums. It's enough to type in minibar and private armies of the agreed assemble, many waging personal guerrilla wars. Did you know that there are people who pee into empty beer bottles, jam the lids back on, and put them back in the minibar? Did you know that some people plaster the base of bottles with hairspray, stick them back down in the fridge, and leave the next person to desperately try to pry them loose? Did you know that if you don't check the minibar as soon as you get into the room, they are likely to sting you for a half-empty bottle or beer someone snuck into your fridge? Or how's this? There are even minibars with the built-in sensors. They clock every movement and change in weight so that if you don't put the bottle or the chips back within 10 seconds, you have to pay for them no matter what. I mean, who wouldn't get a huff? They're busy trying to pull a quickie on you while at the same time demanding your honesty. They've got it in for you in advance. You are a thief, a grifter, and a booze hound. The minibar is a symbol of totalitarian world. And by the way, can you be sure that at the pearly gates, St. Peter isn't going to welcome you with the question, did you take something from a minibar and not pay for it? And then, depending on your answer, send you to a heavenly hotel with 1, 3, or 7 stars. In my native language, the word minibar contains a number of other words. Two of them are critical here. Rab or rob, which means slave, and mina, which means mine, as in landmine. The minibar is a minefield, for as soon as you cross its path, you have immediately become a slave. Today, when almost every totalitarian system has exploded, okay, fine, it's more that they imploded. The minibar is totalitarian shrapnel, snugly nestled into a cozy space that's devoid of all ideology, the hotel room. The minibar is the last bastion of totalitarianism, its invisible nest. Struggle against minibar is possible, but only as a personal guerrilla action.
So, getting back to the hotel I mentioned at the start, this is my confession. I launched the assault on the minibar in room 513. I wrestled it into the bathroom. I defaced it with the hotel key, scratching death to minibar into its smooth surface. I threw it in the bathtub and I turned on the tap. And finally, when the receptionist asked, "Did you have anything from the minibar?" I reply, "I wouldn't be caught dead." We need to put our heads together. If hotel know how to put sensors in the minibars, they'll soon figure out a way of charging us for the mere thought that we might fancy a little something. Thank you. Thank you, Dubravka, very much. And now it is my greatest pleasure to greet our visitor from France, Annie Zadek, who is also a transnational author. And she is actually, when we spoke about the way how I'm going to present her, she told me that she feels like a transnational author and that being in the morning and during the day at the conference really added to her thoughts in that direction, but that she also feels like a European author. She is actually a writer of, as she tells me, the French-Jewish origin with this double identity. Her parents are from Poland and they flew in 1937 to first to Paris, and then they went to Lyon, and during the war left for Switzerland to avoid the Holocaust, and they came back to Paris. Annie herself was born in Lyon and she lives in Paris now. And she told me that her mother tongue, we were talking a lot about the language and transnationality. And she told me that her mother tongue is French with Jewish accent, and that it is actually not the same as if you are, or you feel yourself to be simply French. And I'm actually trying to quote, but you know, I'm paraphrasing what Annie told me, that you know, when people are feeling to be simply French, then they are swimming through the language comfortably. And she, when it comes to her poetry, struggles with language. It's a fight, it's a struggle. And then I told her, maybe that is what poetry is all about. But what Annie Zadek is writing is not simply poetry or simply fiction or simply literature. She speaks of herself in other trans terms. She says what she writes is no narrative, and it is narrative. It is no theater, and it is theater, because a number of her texts are being performed in theaters because they are written for a voice. And most importantly for us, what she writes is our texts which cross the boundaries of genres. So it is transgenerical. It is no genre and it is a generic literature at the same time. And so her texts are written to be sang and to be played. And she is going to read to us tonight a prologue from a theater play, which I'm not going to test my French, but I'm going to read the translation, and that is The Pain of the Missing Limb. Maybe you can say the French title rather than me. Douleur aux membres fantômes. Douleur aux membres fantômes.
Some other works that we agreed, because I asked her to give us some other titles, is Necessary and Urgent. It is the, can you... the second, Necessaire et Urgent, it is the second part of my lecture. I would also like to mention two other titles. One is Alive. Mm-hmm. Vivant. And Souffrir mille morts, fondre en larmes, suffering thousand deaths, okay, bursting in tears. Thank you very much. I was trying, but I didn't dare in the end. There are too many of you to judge. But I would like to tell you a couple of more words about the pieces we are going to hear tonight. She said that one of the pains that she was experiencing and that she's talking about in the pieces which we will hear tonight are the pains of a person who is dealing with her Jewishness in a very particular perspective, a person who was brought by Jewish parents who wanted to forget everything about Jewishness, wanting to forget the Holocaust, and about Jewish identity of somebody who was raised into not being Jewish. But the prologue that we are going to hear is also about Büchner's Wojciech and about the experience of death and of murder. So there are a lot of questions behind the texts we are going to hear now. And those questions are actually the questions we did not ask our parents, we did not ask, she did not ask her parents about exile, about growing up, but also the questions we generally don't ask in while becoming what we are. So, Annie, thank you very much for being with us, and the floor is yours. Lyon, I don't know if it works. Would it be bigger? Does it work? I don't, I'm not sure. Yes. No. Yes, yeah? Lyon, Aix-en-Provence. Mon amoureux de cette époque m'aimait maigre et vivait au mille. Quand j'allais le rejoindre à Aix, pendant le voyage en train, je pensais aux souris qui couraient partout dans le hangar où il logeait, à la montagne Sainte-Victoire où il faisait de l'escalade. Je l'attendrais dans la voiture en lisant mon Peter Handke. À cet endroit, les mille, à ce nom, pendant la guerre, c'était un camp de transit ou de concentration. Lorsque je rentrais à Lyon, seul dans mon grand appartement, je me bourrais de nourriture que je vomissais à genoux dans les WC ou la baignoire en me mettant les doigts dans la bouche. Et je n'arrivais pas à finir mon livre. J'avais été voir un voyant. Les premiers mots qu'il avait dit, c'était « Surtout, ne vous remettez pas avec votre ancien mari. » C'est vrai que de temps en temps, j'y pensais. Et tout de suite après, sans savoir qui j'étais, que j'étais écrivain, que le livre que j'écrivais serait édité deux fois. C'est bien ce qui s'est passé, et même trois. Je n'allais plus dans le midi, et d'un certain côté, à cause des souris, j'étais assez soulagée, je crois. Des amis à moi mouraient jeunes et il fallait faire attention avec les partenaires sexuels. Mais finalement, si je suis partie, c'est à cause de cette agression dans ma montée d'escalier. Je m'en étais plutôt bien tirée sur le coup, sauf que, pendant que je le frappais au visage avec mon trousseau de clés, je voyais qu'il avait quitté ses chaussures,
sans doute pour ne pas faire de bruit, et que dorénavant, j'aurais peur du silence aussi. Allemagne, Pologne. Je suis partie en Allemagne pour une résidence d'écrivain, un an presque jour pour jour après la chute du mur de Berlin. La liesse avait été générale, on aurait même pu dire mondiale, sauf qu'on avait quand même du mal en voyant les Allemands de l'Est faire la queue au supermarché de l'Ouest pour y dépenser leurs 100 marques. C'était bien ça, non déjà 100 marques. À ne pas redouter la fin de l'espoir d'un monde meilleur, plus juste, plus libre, etc. Sans parler du fait que c'est dur d'aller contre un tel unanimisme ou, comme on s'était mis à le dire, consensus, et de jouer les rabat-joie. Et puis ça ne serait pas commode, en cas de guerre ou de conflit, de savoir pour qui on était sans les habituels critères réactionnaires, révolutionnaires, exemple en ex-Yougoslavie. J'étais toujours à Schloss Solitude, château de la solitude en français, au début de la guerre du Golfe, et je m'inquiétais pour ma mère qui habitait en Israël depuis après la mort de mon père. Elle n'était pas spécialement sioniste, mais comme, au fil du temps, et bon gré mal gré, la famille et les amis de Pologne, je veux parler des survivants, s'étaient tous retrouvés là-bas, pratiquement dans le même quartier. Les missiles irakiens qui tombaient sur Haïfa étaient bourrés de produits toxiques, mais elle me répétait qu'elle en avait vu d'autres, qu'elle n'avait pas du tout l'intention à nouveau de descendre aux abris ni de porter un masque à gaz, et qu'alerte à la bombe ou pas, ils allaient continuer à jouer aux cartes le soir sur le balcon où il faisait plus frais, en buvant du thé au citron avec du gâteau au fromage. Il paraît qu'aujourd'hui, à l'université, le yiddish appartient à la section des langues mortes. Mieux vaudrait dire assassinées. Alors là, j'ai réalisé que les choses avaient changé, que ma mère n'était plus à même de me protéger, rassurer, consoler, et que c'était mon tour, comme aînée fuyant Troie en flammes avec son vieux père sur le dos, de la sortir de ce bourbier. J'appelais ça mon syndrome d'enquise, à quoi il convient d'ajouter mon complexe de culpabilité, au second degré, s'entend. Quand ils ont quitté la Pologne, c'était en 1937, et même si bien évidemment ils ne pouvaient faire autrement, mes parents n'ont pas pris leurs parents sur leur dos. Ils les ont bel et bien laissés. Ils les ont bel et bien abandonnés, en réalité. Mon frère m'a raconté la scène de quand, mais des années plus tard, on leur avait appris ce qui s'était passé. Ce qui l'avait frappé, surtout, c'était de voir pleurer son père. Moi, je n'étais pas encore née. Bon, mais moi, je veux être un bon fils, une bonne fille. Moi, je vais prendre ma mère sur mon dos. Moi, je vais l'emporter hors de Troie en flammes, ou Kalish en flammes, ou Haïfa. Mais où est-ce que nous irons comme ça? Pouvons-nous, comme les Allemands de l'Ouest, revenus dès 91, récupérer leurs propriétés à l'Est? Pouvons-nous aller à Kalish, réclamer la maison natale? Au Troie, Ulitsa Zwota? Avons-nous, nous aussi, droit au retour? France-Israël. Retour en France. On est modeste. On ne dit plus « je suis écrivain », mais « j'écris ». L'art est partout. L'artiste, nulle part. On mélange tout. Le « je », le « moi », l'auteur et le narrateur, vérité et réalité, écriture et littérature, intellectuel et littéraire,
haine, violence et esthétique, désespoir et valeurs éthiques, explication, justification. Comme l'avait dit Alain Cuny, parlons de l'environnement urbain qui noie Notre-Dame de Paris. Personne n'en souffre, mais tout le monde en pâtit. Les comédiens et les acteurs, surtout ceux qui sont très célèbres, on ne sait jamais s'ils sont vivants ou déjà morts. Et justement, Alain Cuny, il me semblait qu'il était mort. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je l'ai entendu récemment, enfin relativement récemment, puisque c'était à l'automne 2000, à la radio, dans une émission sur la vie de Giordano Bruno. Apparemment, Cuny disait les mots même de Giordano Bruno que quelqu'un, si j'ai bien compris, avait transcrit pendant son supplice. Il avait été brûlé vif. Ah, ah, miséricorde, je chie. Ça, c'était le matin. Et le soir, à la une de tous les journaux, la photo des deux réservistes, ces réservistes israéliens lynchés par des Palestiniens, ou plutôt des Palestiniens qui avaient lynché les réservistes, souriant devant l'objectif, montrant leurs mains rouges de sang, photo couleur, même dans Le Monde. Jusqu'à sa mort l'année dernière, j'ai écouté les informations dans la hantise que quelque chose ne soit arrivé à ma mère. Syndrome d'Anquise, complexe de culpabilité et maintenant obsession morbide, je l'imaginais poignardée, déchiquetée, dépecée. Ni le Pax, ni les 35 heures, ni le succès du film français, ni le ludique, ni le convivial, ni le festif ne me concernaient, mais, pour paraphraser Sigmund Freud et son inquiétante étrangeté, notre inquiétante familiarité avec la violence et le crime. Kalish Safed. D'après mon horoscope du 20 janvier dernier, celui du Parisien, si je me souviens bien, la période qui s'annonçait verrait s'évanouir mon complexe de culpabilité. Est-ce que c'était imaginable? Est-ce que c'était même souhaitable? Après tout, chez les écrivains, il n'y a pas que Virginia Woolf à vouloir garder sa névrose. De ne plus être la mauvaise fille, celle qui avait quitté la maison le jour de son 18e anniversaire pour vivre avec un homme marié, celle qui avait abandonné son père quand son cancer s'était déclaré, qui n'était pas allée le voir à l'hôpital quand on l'avait opéré, qui n'allait jamais sur sa tombe à l'emplacement AJ7 du cimetière juif de Lyon, avant qu'on ne transfère ses restes à Safed en Israël. Ce cimetière qui avait été profané pendant cet été 2003, alors que j'étais en Autriche, au Tyrol plus précisément, et que, au cours de ce repas, où, pour la première fois, je vais manger de la biche, une dispute avait éclaté à propos de notre haine, notre incapacité d'oublier, notre refus de pardonner, de sorte que non seulement c'est ce nous qui avait le mauvais rôle, mais qu'en plus il m'assignait une identité, qu'il me renvoyait à un vous, à un groupe, une appartenance dont on m'avait tenu éloignée, pour les mêmes raisons finalement que nos frères et nos sœurs aînés avaient été mis à l'abri dans ce village de Savoie, où plus tard, pendant des années, on m'envoyait pour les vacances. Ils ont été des enfants cachés. Moi, je fus, moins tragiquement, une enfant à qui on a tout caché, à qui on n'a rien raconté, à qui ses parents n'ont rien dit, jamais parlé de leur vie d'avant,
de leur vie d'avec leurs parents, de leur vie là-bas, en Pologne, d'avant leur émigration en France, de leur vie d'avant ma naissance. J'avais tenté de tout reconstituer à partir du Yitzker Buch de Kalisch, un de ces livres du souvenir qui m'avait plus ou moins servi, avec ses clichés terrifiants d'albums de photos de famille, de La Reine des Neiges d'Andersen, des aventures du capitaine Atterras de Jules Verne, pour en arriver à la conclusion qu'eux aussi, d'une certaine façon, ils avaient abandonné leurs parents et que, plutôt que du complexe de culpabilité dont me parlait mon horoscope, c'était de la peur d'être quitté, de ce sentiment d'insécurité, de cette angoisse abandonnique dont j'allais être libérée. C'était en quelle année déjà ? C'était quelle date exactement ? Quel âge aviez-vous à l'époque ? En rêviez-vous depuis longtemps ? Leur en parliez-vous quelquefois ? Le faisiez-vous avec passion ? Avec ferveur ? Exaltation ? Avec angoisse ? Appréhension ? Disiez-vous « Goodbye to all that. Wie Gott in Frankreich leben. Heureux comme Dieu en France. » Pourquoi avoir choisi la France ? Était-ce à cause des Lumières ? Était-ce à cause du Front populaire ? Était-ce à cause d'Émile Zola ? Aviez-vous fait d'autres tentatives ? Dans quel pays ? Combien de fois ? Pourquoi ne pas avoir choisi l'Amérique, la Palestine, l'Argentine, Shanghai, Madagascar, l'Ouganda, le Birobidjan, la Belgique ? Était-ce à cause de Baudelaire, de Rimbaud, de Victor Hugo ? Comment dit-on, où se trouve l'atomium en flamand ? War liegt das Atomium ? Comment dit-on, parlez-vous polonais en polonais ? Cimowice Popolsku ? Et d'où venez-vous ? Comment vous appelez-vous ? Ont-ils dit qu'il était trop tard ? Qu'ils étaient trop habitués ? Trop âgés pour recommencer ? Trop résignés pour tout quitter ? Est-ce qu'ils vous ont encouragé ? Ont-ils tout fait pour vous retenir ? Étaient-ils décidés à rester ? Étiez-vous résolu à partir ? Pour quel motif ? Quelle raison ? Quelle cause ? Et pourquoi à ce moment-là, justement ? S'était-il passé quelque chose ? Ou bien en avez-vous eu assez, simplement ? Vouliez-vous juste vivre autrement ? De quoi en avez-vous eu assez réellement ? Du mépris, de la faim, de la guerre, de la peur ? Ou bien vouliez-vous juste vivre ailleurs ? En aviez-vous simplement assez de la règle, de la dureté de la règle, de leur soi-disant terre promise et de leur soi-disant exil ? Quand le leur avez-vous dit ? À table ? Le soir, à midi, y a-t-il eu des scènes, des cris, au déjeuner ou au dîner ? Comment leur avez-vous annoncé que vous vouliez vous libérer, premièrement, de leur fanatisme, deuxièmement, de l'obscurantisme, troisièmement, de leur particularisme alimentaire et vestimentaire, vous affranchir du nom des pères ? Du destin lié au nom des pères. Leur avez-vous, avec amertume, reproché leur humilité,
Avez-vous, avec virulence, stigmatisé leur vie étriquée? Les avez-vous profondément offensés? Ont-ils été violemment ulcérés? Vous ont-ils maudits, chassés, traités de mauvais fils, reniés, en tout cas quelque chose comme ça? Vous ont-ils frappés? Avec quoi? Est-ce que c'était la première fois? Que faisaient vos mères? Pleuraient-elles? Vous retenaient-elles par le bras? Vous embrassaient-elles les mains? Vous disaient-elles qu'elles en mourraient? Que vous les tuiez de chagrin? Vous disaient-elles, comme Anticléa, Anticléa, la mère d'Ulysse, que le regret de vous, que le souci de vous, votre tendresse même, leur arrachait la vie à la douceur de miel? Est-ce que leur vie avait la douceur du miel? Êtes-vous sorti précipitamment? Avez-vous fait claquer les portes? Vous êtes-vous jeté sur vos lits? Vous êtes-vous levé, assis? Aviez-vous peur? Étiez-vous triste? Étiez-vous heureux? Soulagé? Vous êtes-vous senti libéré? Vous êtes-vous senti enfin libre? Leur attention, leur sollicitude, leur amour vous ont-ils pesé? Avez-vous vidé vos armoires, ouvert puis fermé vos tiroirs? Avez-vous rangé, nettoyé, fait les 100 pas, marché dans la chambre, touché ici et là des objets, souvenirs, bibelots, briquets, ouvert puis fermé la fenêtre? Avez-vous trié des papiers, relu puis déchiré des lettres? Les avez-vous brûlés, cachés, confiés à un ami, gardés? Aimiez-vous lire? Quel genre de livre? Roman, théâtre, poésie? Et votre écrivain favori? Connaissiez-vous Mickiewicz, Essinkiewicz, Evitkiewicz? Aimiez-vous Tchekhov, Saltykov, L'ange scellé de Leskov? Quel livre auriez-vous pris sur une île déserte? Lequel avez-vous pris finalement? L'Odyssée, La Métamorphose, Jean-Christophe de Romain Rolland? Et puis quoi d'autre également? Aviez-vous fait une liste des choses à emporter? Passeport, parapluie, argent, brosse à cheveux, à ongles, à dents, brosse à chaussures, cirage, étui à cigarette, blaireau, rasoir, mouchoir, ceinture, photo, lunettes. Par quelle gare deviez-vous passer? Combien de fois deviez-vous changer? Combien de jours alliez-vous mettre? Saviez-vous au moins où loger? Aviez-vous au moins une adresse de la famille, des amis, des parents lointains? Aviez-vous peur de manquer le train? Aviez-vous peur qu'il soit bondé? Peur de ne pas pouvoir monter? Étiez-vous lourdement chargé? Aviez-vous pris de quoi manger? Aviez-vous aussi de quoi boire? Vous avait-il accompagné? Vous étiez-vous réconcilié? Vous avait-il pardonné? Vous ont-ils fait longtemps des signes? En quelle langue est-ce qu'il vous parlait? Vous parlait-il russe, français, allemand, polonais, autre? Est-ce que c'était leur langue maternelle? Est-ce que c'était aussi la vôtre? Parlait-il avec un accent? Faisait-il sans arrêt des fautes? Parlait-il comme le baron Nucingen, le
parents de Nishingen dans « Splendeur et misère des courtisanes » de Balzac. Disait-il « l'archante » pour l'argent, disait-il « beaucoup » pour « beaucoup », « tonnante, tonnante » et « fin pierçante » au lieu de « donnant, donnant », 20%. Disait-il « oui, mon petit, mon enfant, tes espoirs, beurre, halefisan, oui, mon petit, mon enfant, peur, désespoir, allez-vous-en. En éprouviez-vous de la honte, uniquement devant les gens, à la maison également? Comment appeliez-vous vos parents? Comment vous adressiez-vous à eux? Vous disait-il « mon fils, ma fille » Vous disait-elle « mon, ma chérie » Vous caressait-elle les cheveux? Vous embrassait-elle sur le front? Combien de sœurs? Combien de frères? Qui l'aîné? Qui le Benjamin? Qui le mieux aimé du père? Quel était leur âge? Leur nom? Lequel, laquelle préfériez-vous? De qui étiez-vous le plus proche? Aviez-vous une chambre à vous? Avec qui la partagiez-vous? Savez-vous ce qu'ils sont devenus? Les avez-vous tous perdus de vue? Cette maison où vous habitiez existe-t-elle toujours? Y êtes-vous retourné? Dans quel quartier, à quelle adresse? Vers la gare? Près de la rivière, en face du nouveau cimetière? Combien y avait-il de pièces? Les plafonds étaient-ils hauts ou bas? Y avait-il un grenier, une cave? Y avait-il des souris, des rats? Y avait-il un chien, un chat? Y avait-il des photos au mur? De qui, de quand, de où, de quoi? Y avait-il des toiles abstraites? Y avait-il des objets précieux? Vaisselle en cristal, lingerie, fourrure, miroir, argenterie, des livres anciens, des peintures modernes? Y avait-il des meubles de prix? Piano, samovar, tapis? Y avait-il des choses utiles? Machine à écrire, dés à coudre, savon, matelas, édredon, cuisinière à bois, à charbon? Que mangeait-on à la maison? Coups, doigts farcis, pieds engelés, carpe à la juive, foie hachée. Faisait-il très chaud l'été? Siphon avec de l'eau de seltz, fauteuil à bascule, véranda. En hiver, faisait-il très froid? Double rideau, double fenêtre. Jusqu'où baissait le thermomètre? La rivière était-elle gelée? Aimiez-vous skier, patiner? Aimiez-vous marcher dans la neige? Alliez-vous parfois vous baigner? Saviez-vous nager, plonger? Fréquentiez-vous la bibliothèque? Alliez-vous souvent au musée? Entriez-vous dans les églises pour écouter les gens chanter? Aimiez-vous l'orgue, les passions, les tédéum, les dies irae, les requiem, les miserere? Que faisiez-vous les jours de fête? Alliez-vous danser, flirter, ou fumiez-vous des cigarettes? Vous connaissiez-vous tous les deux? Étiez-vous déjà amoureux? Vous promeniez-vous dans les rues en vous tenant par le bras? Alliez-vous voir au cinéma Greta Garbo dans Ninotchka, dans Le baiser, Le droit d'aimer? Étiez-vous jolie fille? Étiez-vous beau garçon? Aviez-vous les cheveux courts ou longs? Était-il brun, roux, châtain, blond? Était-il raide ou ondulé? Vous embrassiez-vous sur la bouche à la terrasse des cafés? Où alliez-vous pour vous caresser?
dans les parcs, les jardins privés, les cours intérieures, les allées, les ascenseurs, les escaliers à la campagne, dans les prés. La ville était-elle réputée pour ses environs pittoresques, prairies humides, bois de bouleaux, lacs et rivières, étangs, canaux? La région était-elle connue pour sa végétation variée, l'obélige ancienne, orchidée, l'abondance de son gibier, perdrix, chevreuils, cerfs, sangliers? Connaissiez-vous le nom des arbres, celui des champignons, des oiseaux, celui des pierres, des minéraux? Vouliez-vous être ornithologue ou écrivain, végétarien? Étiez-vous doué pour les langues? Preniez-vous des cours de dessin? Vouliez-vous devenir sculpteur, avocat, notaire, pharmacien? Étiez-vous toujours plein d'entrain? Étiez-vous enjoué, voire même prime sautier? Faisiez-vous rire les filles en imitant Hitler? Étiez-vous impatient de parcourir la terre, curieux de la nature et du monde rural, amoureux du genre pastoral? Étiez-vous pour aller au peuple, être un élément productif dans une ferme expérimentale? Exaltiez-vous le travail physique au service d'un idéal? Étiez-vous contre l'art pour l'art, qu'il soit national ou mondial? Aviez-vous un abonnement à l'aube et à en avant? Lisiez-vous Hegel, Bakounine, Proudhon, Fourier, Kropotkin? Preniez-vous la parole pour déclamer des vers, contester le savoir des pères? Pensait-il que les événements étaient reliés entre eux d'après leur signification, mais non d'après leur chronologie, et que l'histoire était moins vraie que ne l'était la poésie? Lisiez-vous Élisée Reclus? Pensait-il que ce qui advient était déjà advenu? Contestiez-vous l'orthodoxie? Pensait-il que l'assimilation était une apostasie? Contestiez-vous l'oligarchie? Vivait-il seulement par l'esprit? Voilà. Interesting, because it's the
the opposite, you know, side. There is a question. I was curious, you know, this was like very interesting project, and if you could also tell us about the current project you are working on, you know, in the Council of Ile de France on the train station, you know, because it sounds really interesting. Is it like through the art or, you know? What I am trying to do when I'm writing now, it is to follow or to observe the metamorphosis of this trauma nowadays. Of course, I didn't want to read it all, because the fifth part of this mass of questions is addressing to us nowadays. It is that which interests me. It is the way this enormous trauma, this one, for notre époque, for our our time, but it can be another for other people, is infiltré, polluting, and we don't know to which point it is polluting till now, because the pollution has been transformed, and so I want to consider the transformation now, and for my generation, but the next, because this pollution is going on, metamorphosing. So the project with this ancient station of deportation in near Paris, it is which is interesting in this place, is that it is intact. It has been not demolished, not transformed. It is still like it has been. But it is nearly invisible because, let's say, in Paris especially, there is enormous structures like Memorial de la Shoah, like the Museum of History of Judaism, and you know, and these places hide this place, and it is interesting for me to imagine actions with as I am what they call a contemporary writer. Poet, to imagine actions with contemporary artists and writers in this place, because this place has no choice to be seen or to exist, and it is it has been rebought by the municipality of Bobigny 5 years ago only. Before it was, how do you say, people who are ferrailleurs, comment on dit, the people who are collecting bits of iron, of metals, you know. And so it has been absolutely covered with bits of metal. So in a way, it has protected it. But it is only 5 years now that this place is visible. And it is, in a way, it is difficult to make them move, you know. There is two places in this station. There is the normal gare des voyageurs, the station of the normal people,
And there is une halle for the goods. Not very far away, but not near. And the Jews who were packed in Drancy, near in another town just nearby, were of course deported from the quay side at the goods where this not in the nice little station, but in front of this. Gare des it was not a gare, it was a halle de marchandises, an halle. And every year, the ancient people from the resistance, they come to put flowers in front of the gare des voyageurs. And you know, it's like, comment on dit, les fourmis, les... The ants, they have their way to the Gare des Voyageurs. It's normal. There is plaque, you know, the resistance française, and nobody were deported from here. It is absurd in a way. The way they commemorate something which has never been. It was not resistance. It was the Jews who were just deported. Packed like marchandises, like goods in the other place. And I thought I could change, put the ants, you know, going in another way. One year is not enough. So I don't know, maybe sometime, but not, I didn't succeed that. And it's not on top of that, but the municipality of Bobigny is, it has no sense to organize anything here without the town of Drancy, which is just where the Cité de la Muette was, which is still there. But Drancy is right, the mayor is right, and right wing, and Bobigny, of course, I mean, is communist, and so they are fighting, you know. So I was telling you that I what is important for me is to work now, but you know, I have to cope also with this sort of irrelevant elements and. Very contemporary, and so my action here is not very brilliant for the moment, but it is interesting, let's say. Well, if there are no further questions, okay. I am leaving you. Just want to say something. Yeah. This and reminds me very much of this novel by Zebat, you know, who's German and who write, you know, who was writing in England, and in this Austerlitz, is trying to reconstruct these sites, you know, in a way. But he, there's a narrator, and Austerlitz doesn't know who he is at all, because he was actually transported by the Kindertransport. And what the whole, you know, novel does in a very interesting way, in a fictional way, is to, you know, is to construct these sites, even though they may be just imaginary, but he actually talks about the real sites of these sites of, well, they're memory, but they're also sites of trauma, in fact. And so, anyway, your reading reminded me a little bit of this kind of reconstructing these things so that they're not totally obliterated or used for not wrong purposes, but also misplaced in a way. Yeah, so I appreciated this, a different genre. Just one thing. I'd like to share
thank you very much for this text. It made me cry. It made me laugh. I saw the reactions of the other people. For me, it was this mini bar was a symbol of liberty. When you mentioned it, that they're coming, it, I said, oh no. Without hearing what you're going to say, I said to myself, oh no, my liberty. I will not use it. I don't need it, but I don't want it to be taken from me. So, and after that, when you made the reflection that it is in fact love, the parallel between love and liberty, there is no liberty without love, and there is no love without liberty. So thank you for this reflection. I think it will stay longer in our minds. And I would like also to thank you for this extensive list of questions. In fact, I think that most of the people don't know these answers, no matter what their origin is. Because when we are young and we have the possibilities to learn the answers of these questions, we are too busy with ourselves. We are developing our personalities. And it is only when the years start to accumulate that we start to ask these questions about our parents, our grandparents, parents, because we need these answers for our life, but they are not there anymore. So it just added to my list of questions that and I think that everybody has a long list of questions of their ancestors that a door that will remain locked for forever, unfortunately. What I would like to do maybe is to leave to you the complete book of questions, which is in French, German, and English. So you will read the. We will put it in our library and we'll be very grateful. Yes. So. Thank you very much for this very special evening. I want to thank you both Annie and Dubravka, and I hope everybody will join me in thanking you warmly before we go, because it was very special.